Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui parce qu'on va pranker Lily Rose. Je sais où elle cache son argent de poche. Et j'ai des... Oh mais qu'est-ce qui m'appelle encore une fois? Je suis en train de faire une vidéo. Bon, aujourd'hui on va prendre tout son argent de poche et on va le dépenser. Je vais vous montrer... C'est quoi ça? Non mais... C'est horrible ce truc. Regardez. Pourquoi c'est une photo de clown comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Allô? Votre repas est prêt. Allô, vous êtes qui? Allô? Votre repas est prêt, il est devant la porte. Comment ça, votre repas est prêt, il est devant... Mais qu'est-ce que vous me racontez? Eh oh! Il est devant la porte. Vous êtes qui? Il a raccroché. Les amis, c'est quoi ce fou encore? Ah non, 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 à chaque fois que je démarre une vidéo, il y a un truc qui tourne mal. Non mais vous avez entendu? Enfin surtout, vous avez vu la photo de clown là? Ça fait super peur. Comment cette personne a eu mon numéro et pourquoi ça met sa photo quand il m'appelle? Comment ça? Votre repas est prêt? Il est devant la porte. Non mais devant quelle porte? Lily Rose, tu me fais un prank? Eh oh, y a rien devant la porte. Y a rien devant la porte là. Si tu m'entends, Lily Rose, c'est pas marrant. C'est peut-être devant la porte d'entrée en bas. Devant la porte de la maison. Bon, écoutez, je vais quand même aller vérifier. Parce que sinon je vais pas être serein. Je sais que je vais pas passer une bonne vidéo. Bon, et en même temps vous, ça vous fait un truc en plus là qui était pas prévu, franchement. Bon, comme il se passe toujours des trucs chez nous. Allez, on va regarder devant cette porte. À tous les coups, il y a rien. Voilà. Mais c'est quoi ça? Mais s'il y a un truc. C'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a personne. Les amis, y'a personne. C'est une caméra cachée là, on est en train de me filmer. Vous êtes en train de me filmer? Oh, Lily Rose, c'est toi? Bon écoutez, je vais prendre ça. Non mais c'est un McDo. C'est bizarre, la personne qui m'a appelé c'était un clown, un peu comme le clown de McDo là. Bon, écoutez, je vais bien fermer ça à clé. Voilà. On va remonter dans la chambre. Bon, je vais vous expliquer un peu ce que je voulais faire à la base dans cette vidéo. Même si je sais pas du coup si on va pouvoir le faire. En gros, je voulais prendre tout l'argent de poche de Lily Rose. Parce que il y a une semaine, voilà, elle est allée dans ma chambre. Elle a pris tout l'argent qui était dans mon porte-monnaie. Il y avait 30 euros, elle a pris tout l'argent dans mon porte-monnaie. C'est pas bien du tout. Et là du coup, je veux me venger. Je voulais prendre tout l'argent de poche qu'elle a dans sa tirelire, dans son coffre-fort. Et je voulais dépenser... Et offrir ça à des abonnés comme ça qu'on croise dans la rue. La vidéo elle aurait été super bien, surtout qu'elle a 200 euros d'argent de poche. Donc ça aurait été super cool. Bon écoutez, je vais quand même voir ce qu'il y a à l'intérieur là. Parce que ça m'a vraiment perturbé là ce qui se passe. Bon, il y a 4 boissons. Mais on est... C'est quoi cette commande? Elles sont pleines en plus. C'est quoi ça? Un Happy Meal? Ok, bon on va... C'est quoi ça? C'est pas à manger? Pourquoi il y a des lunettes dedans? Ah mais... Je rêve. Il y a un inconnu qui m'a appelé sur mon téléphone avec une photo de profil ultra flippante. Il m'appelle, il me donne un truc, il ramène un truc devant chez... Non mais déjà, attends, c'est horrible. Attends, Valentin, t'es là? Valentin? Normalement, il dort chez nous aujourd'hui. Valentin, t'es là? Valentin, tu dors encore? Mais qu'est-ce que tu fais? Je me cache. Mais comment ça, tu te caches? J'ai entendu quelqu'un sonner et j'aime pas quand ça sonne à la porte. Mais viens! Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est toi qui a fait, là, vu comment tu es, c'est toi qui a fait la bêtise. Quelle bêtise? Bon allez, viens. Pour une fois que tu vas servir à quelque chose. Parce que oui, là les amis, on a pitché de Valentin en ce moment. Il dort un peu chez nous parce que c'est catastrophique chez lui. Il arrête pas de faire des pranks à ses parents. Il s'est fait virer de chez lui. Enfin bref, bon, écoute, dis-le moi tout de suite, est-ce que c'est toi qui as commandé un McDo pour me faire une blague? J'ai rien commandé du tout. Tu sais qu'aujourd'hui je devais faire la vidéo sur l'argent de poche de Lily Rose, j'ai pas le temps pour ces bêtises moi. Bah je sais pas, il est où le McDo déjà? Bon, est-ce que c'est toi qui m'as appelé, qui a fait une voix bizarre, est-ce que c'est toi qui a commandé un McDo, qui a tout enlevé, qui a tout vidé, qui m'a pranké? Dis-le moi tout de suite. Mais non, mais pourquoi je ferais ça? Tu m'as rien fait, c'est Lily Rose. Pour m'embêter parce que tu passes ta journée à faire des pranks. Mais non, non, c'est pas moi. Depuis qu'on fait des vidéos avec lui, depuis qu'il a appris à faire des blagues, des pranks, il veut faire des prank stories toute la journée. Non, bah c'est pas moi. Bon bah écoute. Bon, qu'est-ce que c'est? Oui, bah là c'est des boissons visiblement. Ouais. Et là regarde, il y a même pas de burger, des lunettes. Ouais, elles sont belles. De quoi elles sont belles? Bah attends. Bah n'y touche pas hein. Pourquoi? Mais parce que c'est un inconnu qui a ramené ça devant chez nous alors. Ça tombe, c'est encore un truc maudit, un truc hanté. Mais non, mais elles sont... Le numéro qui m'a appelé, c'était un numéro... Le numéro c'est 667 comme par hasard. Ça doit être un numéro maudit qui veut nous appeler pour nous faire des... Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, moi je toucherai pas à ces lunettes hein. Bah vas-y, touche, allez. Non, je touche pas. Non, mais bouge. Oh, je touche pas à ces lunettes. Moi je les essaie. Pourquoi tu veux porter ça? Mais t'es fou. T'es fou.
Valentin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bouge de là! Bouge de là! Les amis, je vais me cacher. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui est arrivé encore? Oh là 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 là. Quand je vous dis qu'il est bête, qu'il est bête, qu'il est archi bête, qu'il est ratabête de tout ce que vous voulez, je vais m'enfermer dans cette pièce. Ah, hop. Je ferme ma clé. Oh, les amis, c'est évident que c'était un piège. On s'est fait avoir comme des débutants. Enfin, surtout lui. Moi, je m'en doutais qu'il fallait pas toucher à ses lunettes. La première chose qu'il fait, il les regarde, il les prend. Là, vous entendez? Il a un rire de clown. Comme par hasard, la personne qui m'a appelé, elle avait une photo de clown. À mon avis, il est en train de devenir un clown maudit, un clown hanté. Valentin, je te laisserai pas. Là, t'es contrôlé par quelqu'un, je te laisserai pas rentrer. Je vais me cacher même dans la pièce ici. Je vais appeler Peppa Pink, tant pis. Même si je devais pas le prévenir que j'allais faire une vidéo. Allô, Peppa Pink? Peppa Pink, reviens vite à la maison, là. Oui, je sais que tu dois aller chercher Lily Rose au collège, mais là, il s'est passé un truc de fou. Avec un clown maudit. Ouais. Comment? Mais aide-moi! Il veut pas m'aider, il est en train d'aller chercher Lily Rose au collège, il pense que je lui fais une blague. Mais c'est pas une blague, là. J'ai pas envie de rigoler. Bon, il faut que je trouve une solution. Je vais ouvrir, je vais essayer d'enlever les lunettes à Valentin, en espérant qu'il redevienne normal suite à ça. J'éteins la lumière, je vais lui tendre un piège, je vais le laisser rentrer dans la pièce. Hop. Voilà, c'est bon les amis. Je vais le laisser rentrer dans la pièce comme ça. Bouge de là. Il est vraiment devenu un clown. Laisse-toi faire. C'est bon? Tu vas mieux ou quoi? Là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Faut que je m'éloigne avec ces saletés de lunettes là. J'ai l'impression que dès qu'on les porte, on devient fou. Où est-ce que je peux aller? Tant pis, je vais aller dans le jardin. Hop. Ces lunettes là, personne ne va les toucher. Je vais les mettre dans un coffre-fort, on va les enterrer dans la forêt. Non, bouge de là. Bouge de là, regardez son visage de fou là. Non mais c'est vraiment la folie. C'est vraiment un visage de fou furieux ça. Bon, je vais rester ici, et en tout cas, si vous voyez Peppa Pink et Lily Rose, ne leur dites pas que j'ai commencé la vidéo en voulant prendre tout l'argent de poche de Lily Rose, parce que sinon, ils vont se mettre en colère. Non mais ça te fait rire d'être un fou comme ça? Le fou du village. Non, tu restes là. Bon, ça va, il a pas l'air très dangereux. Bon les amis, je vais m'occuper un peu de son cas là, parce que ça a l'air d'être catastrophique. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas du tout la vidéo que j'avais prévue à la base, mais bon, c'est comme ça YouTube, c'est comme ça sur notre chaîne. Allez voir une autre vidéo sur notre chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir. À la prochaine, ciao.